brancher la fibre ici, l'antenne là-bas, et on peut aller jusqu'à 1 km, 2, 10 km de fibre ou 100 mètres. Dans ce cas-là, on n'a plus de problème de perte. Et donc on reste quand même avec ces antennes amplifiées. Donc l'idée, c'est qu'on a le boîtier ici, qu'on peut alimenter en 12 volts, ça... ou alors en... avec une alim en 220. Ça consomme pas beaucoup. Hein. C'est donc le boîtier que tu vas déporter, que tu vas mettre. Voilà, donc ça, d'un côté il y aura ça, il faudra évidemment le brancher quand même avec un câble d'antenne. Là on est limité à 5 mètres, on va dire, toujours avec l'ampli. Et ça, on peut aller le poser n'importe où sur le site. Donc ce qu'on a fait nous, c'est qu'on a combiné les deux technologies pour que ça soit moins cher. Donc on respecte la diversity. Donc au cul du splitter. Il y a le port A et le port B qu'on retrouve ici. Donc là, on rentre le splitter. Là, on peut mettre une antenne en coax et une antenne fibre. Et pareil de l'autre côté. Donc après, il n'y a plus qu'à disposer les antennes intelligemment, donc en respectant au maximum la diversity. Donc il y a toujours des règles. En fait, A, il est divisé du coup. Voilà, il y a deux antennes pour A et deux antennes pour B. D'accord, une coax et une fibre. Voilà, alors on sait faire aussi deux antennes fibre pour A, deux antennes fibre pour B, ou une antenne coax et deux antennes fibre pour A. Une antenne coax et deux antennes fibre pour B. Donc on peut aller jusqu'à 3 antennes, voire jusqu'à 8. Donc le plus gros système qu'on a déployé, c'est 6 antennes fibres en tout. Voilà, et voilà à quoi ça peut, servir. Donc ça, c'est les systèmes maison. Et il y a les, donc on fait aussi des systèmes pour la partie émission. Donc on est capable aussi de faire des couvertures totales en émission pour les oreillettes ou pour les ear. Dans ce cas-là, les boîtiers peuvent être identiques. Après, ça dépend du même nombre de fréquences. Par contre, ils vont consommer un peu plus. Parce que là, il faut qu'on crée la puissance à l'intérieur. Mais ça, c'est on appelle ça un concentrateur ou un combineur hybride. Donc, on peut mettre 4 antennes, 2 coax et 2 fibres. Donc, pour couvrir une maison, ça peut être très bien. Parce qu'on peut mettre maison, jardin et ainsi de suite. Le recorder. C'est simple, je fais un nouveau projet qu'on va appeler. Allez, on va l'appeler, comment on va l'appeler ? Assaud ? Ouais. Voilà. On peut choisir simplement sa fréquence d'échantillonnage, donc 48, 24 bits, format de fichier, donc on est sur du BWF, du Broadcast Wave. La source de TC, donc là on sera en TC externe. Là, on voit les disques disponibles pour le record, donc je sélectionne les deux, ce qui me permet après de choisir le mode mirror. Et dans le mode mirror, j'ai les sons qui sont enregistrés sur un premier disque et il y aura une double écriture sur le deuxième. Ce qui fait qu'à la fin, on a juste à récupérer le disque mirror pour la prod, il n'y a pas de transfert à faire. Une fois que c'est fait, je crée le projet. Après, une fois qu'on a vérifié la synchro, on n'a plus qu'à armer les pistes. Donc là, j'en arme 32 d'un coup, puisqu'il est monté en 32 pistes. On peut évidemment nommer les fichiers. C'est pratique pour la post-production. Donc tout à l'heure, j'avais mis perche, je recommence. On va mettre la perche, par exemple. Voilà. J'ai plus qu'à me mettre en chaise pour m'accrocher au TC. Donc on le voit défiler ici. Et j'ai plus qu'à enregistrer. Et donc là, c'est parti pour... quelques temps. Donc on voit aussi là c'est la durée de l'enregistrement, c'est la durée qu'on peut enregistrer. Donc on peut enregistrer 22 heures là. Donc ça on peut le faire disparaître si ça va pas. Voilà, et là j'arrête. Donc si on veut, en appuyant ici, on peut renommer la prochaine prise. Toujours pareil, hein, même principe que sur les bécanes de cinéma. Et puis là, je re-enregistre. Voilà. Voilà. Alors après, il y a des menus comme ça, effectivement, il y a des fonctions. On peut choisir la façon de nommer les fichiers, comme sur le Sound Device, différentes formes. Donc là, ils appellent ça Audio File Naming Convention. Donc là, c'est en track number, track name. Tech number, voilà, mais il y a toutes les petites subtilités qu'on retrouve dans un sound device. Voilà pour le recorder. Tu connais du bout de doigt, tout ça, dis donc.
Ça ? Ça ? Et on va aller chercher un petit système à chef ? Cherchons un chef pour le 21. Ouais.